me suis levé de bonne heure un matin. Ouais. Fait que j'ai décidé de rouler tranquillement, pas vite, puis profiter de la lumière du matin. Un des avantages qu'il y a quand on roule puis qu'on prend son temps, ben c'est des fois on tombe sur des affaires comme ça. Un beau pont rouille. Avec le rivage rouille, ben on arrête. Puis on prend des photos. À notre bout, la terre est brune et noire. Puis il y a des ponts, on n'en voit pas tant que ça, là, surtout de ce genre-là. Fait que il y en a un beau autour du lac des Nations. Il y a tellement de monde, puis c'est comme un autre décor. Fait que j'ai pris le temps de prendre quelques photos pour pouvoir vous montrer ça. Ben, j'arrive à la plage au bord de Pabo ou Pabos, je m'en souviens de ma condition. Quelqu'un me dira ça dans les commentaires si on prononce le S ou pas. C'est vraiment beau. C'était tranquille un matin quand j'étais arrivé là. J'ai marché là 10-15 minutes. Là, j'ai continué ma route. Là, je suis à la pointe au Corbeau. C'est un autre paysage à Pabos, Pabo. C'est du beau sable rose, rouge ou orange, dépendant comment on voit ça. Super doux, qui est fun à marcher nu-pied. Du gros luxe. Tandis qu'ici, c'est différent, c'est du beau galet. Puis par où, c'est du petit mini galet, de la petite roche. Un peu de sable, mais c'est surtout du petit galet. Mais c'est surtout les parois qui sont intéressantes. La plage n'est pas large, on a l'impression d'être seul au monde parce qu'il y a comme une... On est comme entre la mer, les parois. Ça fait comme un genre de C, c'est comme une petite minuscule P dans le fond. Là. Fait que c'est intéressant. C'est beau, on va voir ça. Thank you.
ça fait plusieurs jours que je suis en Gaspésie, puis là, c'est le temps pour moi de retourner à la maison. Je pense pas le faire d'une traite, je vais le faire par étapes. Aujourd'hui, je fais de la route, mais tranquillement, pas vite. Je profite de la vue, je fais des petits arrêts sur le bord de la plage, je marche un peu sur le bord de la plage, je me gâte encore, parce que dans les cantons de l'Est, on n'a pas la mer, ça fait que c'est le temps d'en profiter au maximum. Surtout quand ça tire sur la fin de même, il me semble qu'il y a comme une petite nostalgie qui embarque, puis je me rends compte que j'ai pas profité tant que ça de la plage. Puis là, surtout qu'on a une belle journée ensoleillée, là, c'est le temps. Fait qu'aujourd'hui, on profite de la plage. Ouais, ben mes plans ont changé pas mal au cours de la journée. Je sais pas si ça vous fait ça, vous autres, là, mais on dirait que quand les vacances sont finies, mettons, puis que c'est le temps d'en revenir à la maison, je suis comme un cheval, on dirait, à la fin de sa journée. Je cours pour en revenir à la maison, je cours! Patrick! Un matin, j'étais bien relax. J'étais à la plage à Pabos. Je sais pas encore si ça prend un yes ou pas. Puis, je sais pas, j'étais moins dedans, la place était vraiment cool, mais on dirait que j'étais mindé, là, tranquillement, pas vite, on dirait que ça me rentrait dans la tête que j'en revenais à la maison. Fait que là, plus tard, bon, je pense que je vais passer la soirée à Carlton, ça va être cool. Ça faisait longtemps que je voulais aller voir ça ressemblait à quoi. J'étais allé voir, j'allais me prendre une petite bière à Marina, bien relax. Mais, c'était pas comme je pensais, t'sais. On dirait que j'étais en train de décrocher de mes vacances, là. Puis même, j'ai arrêté aussi à Pointe-à-la-Croix, pas encore. Fait que là, j'ai décidé de me taper à trail entre les deux. J'étais en train de traverser la vallée de la Matapédia. Au moins, le chemin, il est beau. T'sais, les vacances, quand tu vois ça, sont pas complètement terminées. On a encore des beaux paysages. La route est le fun à faire. Je l'avais déjà faite, mais je l'avais faite de nuit. Là, je l'ai faite jour. Ça fait que ça me permet d'apprécier le paysage. Puis, je vais aller passer la soirée où c'est que j'ai commencé, dans le fond, mon road trip à la Pointe-au-Père. Il y a une place où que, sur le quai, dans le fond, il accueille les... Il y a comme une place, un parking dédié pour les vacanciers avec leur véhicule. Fait que je m'en vais là. Je vais aller voir le coucher de soleil. Au moins, ça va finir les vacances en beauté. Après ça, demain matin, ben, on descend tranquillement pas vite à la maison. On va sûrement arriver au début de l'après-midi. Ouais, ça fait que ça retourne à la maison.